à ma montre. Parce que ma montre, tu m'appelles. Touche pas. Il y a un parking là-bas à payer. Peut-être ils vont au travail, Nams. Ouais, 11h. Bah ouais. C'est un parking souterrain là-dessus. Il va faire quoi? Je sens que... Et c'est là alors, à quelle instruction? C'est le bureau 10? Route 30, on est que dans un labyrinthe. J'avais dit la dernière fois que c'était un labyrinthe, c'est un labyrinthe. Route 30. Victoria, Birbal, allez, fais Zumba, café. Non, mon bébé. Voilà, donc la petite chante, Nams, salut ton équipe. Ouais. Ben et moi alors? Moi je me suis filmé toute ma décaine comme ça. Astoria! Waouh! Astoria c'est la meilleure. Voilà, donc comme ça c'est notre petite, enfin, notre petite chambre. Voilà. Ça je suppose que c'est mon dressing. Petite table pour manger, petite. Bien sûr. Oh, on a une belle vue sur la mer! Waouh! Ah, va chier! Elle va se flotter. Mon beau lit. Ah, puis on va mettre les affaires dans le frigo, Nams. Il faut le brancher. Et on a une petite salle de bain. Ok, girl. T'es bien, mon amour? Astor, elle va s'amuser aujourd'hui. Tout. Hello, my baby. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça y est, c'est le jour J. Ça y est, c'est le jour J. Donc, comment j'allais dire? Alors là, on a déjà bien avancé dans la journée. Regardez, je me suis... déjà fait perfuser. Donc voilà, j'ai une sacrée équipe. Alors là, Astoria, elle l'a mangé. Mon amour. Voilà, en train de finir. En plus, elle a reçu un beau petit ballon. Waouh. Là, là, je suis pas maternelle, donc... Allô. Ouais, tu m'entends? Voilà. Voilà, donc petit débriefing là pour le matin. Voilà, donc au matin, j'avais préparé mes affaires et tout. Je me suis relavée. J'ai lavé une fois hier au soir et là, ce matin, à nouveau. Et j'ai lavé mes cheveux, du coup. Oui, ça se voit, ils sont trop beaux. Alors, donc là, l'équipe m'a déjà mis la perf, comme je vous ai dit. Là, il est quelle heure, là, Nam? Oui, je pense qu'il doit être dans les 13h. Alors, moi, je me fais opérer vers 15h15. Donc, on vient me chercher vers 15h15. Voilà un petit peu le topo. Alors, comment vous expliquer que nous, on n'est jamais venu en fait dans cet hôpital. Donc, pour se garer, c'était trop compliqué. Pourtant, on avait démarré à l'avance. Et on a eu genre 19 minutes de retard. Bon, franchement, ça va. Mais, on a dû... déjà, il n'y avait pas de place dans le parking souterrain. Puis, on essayait de faire les routes là autour, mais il n'y avait pas de place non plus. Mais on pouvait pas se mettre trop loin non plus. Avec la poussette, Astoria, les bagages et tout. En plus, il pleut. Donc, voilà. Une serviette, vraiment. Je sais pas si c'est normal, on dirait que là, il y a des plaques. C'est quoi ce bordel? Ça va, mon petit bébé? Qu'est-ce que tu fais que tu en passes? Viens. Astoria. Mon amour.
Mon amour. Ma petite prune. Astoria. Tu veux mon amour? Mon Dieu. Fais un câlin, maman, fais un câlin. Ouais, qu'après tu t'en vas, mon amour. Oh, je t'aime, tu vas trop manquer. Oh. Vous voyez, moi, c'est plus ça qui me dérange. Oh, que je ne vais pas être près de ma fille, de mon amour, de Nams. Oh. Oh, il faut moucher tes petits nez. Maman va te manquer. Est-ce que maman va te manquer? Astoria. Maman va te manquer, mon bébé? Oui? Eh oui, c'est normal. Hein. Je t'aime très très fort, moi. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime, je t'aime. Et Brett, mon amour? Ah, tu vas me manquer, mon amour. Hein. Tu vas me manquer? Mon amour? Tu le mets où, toi, le sac là, ici? Bah, en dessous et je l'attache, mais bon, là il va tenir. Tu vois mon cœur? Au revoir, maman. Au revoir, maman. Fais bisous. Au revoir. Elle s'en fout. Fais bisous. Au revoir, maman. Fais bisous, maman. Oui, je t'aime. Je t'aime, mon amour. Je t'aime. Non, c'est pas réveillé, je te fais des messages. Ouais, je vous aime, mes âmes. On voit ce qui se passe après le. Petit chou. Je vous aime, mes amours. Ouais, je t'aime, mon amour. Voilà, donc là, Nam vient de partir avec Astoria. Du coup, je suis trop triste, en fait. Je suis vraiment trop triste parce que... Enfin, c'est pas... Comment vous expliquer? Ben, c'est tout. Voilà, le fait que je suis pas près d'elle, je suis pas près d'eux. Enfin, voilà, je suis pas là pour m'occuper, voir si ça va. En plus, je sais qu'elle va être triste, je sais qu'elle va me réclamer. Enfin, voilà, je le sais, en fait, et ça me fait trop mal au cœur. Je vous dis la vérité. En fait, en soi, je suis même pas stressée avec l'opération et tout. Après, oui, évidemment que je souhaite que tout arrive bien, que tout se passe bien et tout, forcément. Mais c'est plus, vous voyez, tout ça, en fait. Demain, quand je vais me réveiller, demain, comment je vais être et tout, du coup, comment ça va aller, tout ça, en fait, c'est plus ça. Mais bon, ça va aller, j'espère qu'elle va passer une belle nuit et tout quand même. On va voir. Bonne nuit ici. À chaque fois, les lits dans les hôpitaux, vous êtes là, vous levez la tête, il y a l'été qui se lève en même temps. Genre après, vous finissez comme ça, quoi. Après, il faut rabaisser. J'ai pas envie d'avoir les jambes trop en l'air. Sinon, comment vous expliquer? Donc là, j'ai été rincer mes dents, là, et j'ai enlevé mes gouttières, j'ai un peu rincé tout ça parce que là, moi, je suis à jeun. Mais j'ai le pâteux là dans la bouche, c'est plus possible, donc j'ai rincé. Parce que franchement, la vérité, non, c'est plus possible. Déjà ça. Bon, je suis déjà blasée parce que je sais que quand je vais manger, je ne vais pas manger à ma guise et enfin, comme je veux. Parce que ça va être liquide pendant un petit temps. Mais je vous expliquerai ça de toute façon dans d'autres vidéos. Puisque là, on est dans la journée vlog. Hein, voilà. Donc, je vous ferai aussi d'autres vidéos après sur mon opération, tout ça. Ensuite... moi, en général, quand je me réveille des anesthésies, je suis malade, mais genre à vomir. Donc là, j'espère qu'ils vont m'administrer le produit, on va dire, qui fait que tu vomis pas. Mais j'espère que je vais pas vomir, la vérité. Parce que avec ma bouche, l'opération des mâchoires, plus là, genre mes élastiques, je sais pas comment ça va être. Hein. Si en plus de ça, je vomis, ça va pas aller. Ça va pas aller. Comme vous avez pu le comprendre, je suis dans une chambre particulière. J'avais le choix avec mon assurance, mais je vous avoue que je sais qu'il y a des gens, ils aiment bien genre être en communauté. Je sais, genre moi, ma mère, quand elle était, enfin la pauvre, mais quand elle était dans les hôpitaux et qu'elle était en chambre,
elle veut jamais être toute seule. Elle aimait trop être avec des gens. Moi, c'est tout l'inverse. Moi, je veux être toute seule. Je veux pas être avec des gens. Je veux pas qu'on me mélange. Non, mais quand je dis ça, c'est pas genre... Moi, je me prends pas pour de la merde. C'est pas ça. Parce que pour moi, on est tous des êtres humains. Donc, on est tous sur le même pied d'égalité. Mais c'est juste... Genre, j'ai besoin d'être toute seule, en fait. Et j'ai pas besoin d'avoir des gens. Ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Déjà, je vais avoir... Enfin, je vais remonter de l'anesthésie. Je vais pas être bien. Enfin, je sais pas, j'aime bien avoir mes aises, quoi. Être toute seule, tranquille. Et je sais, il y a des gens que vous n'aimez pas. Parce que vous êtes là tout seul et genre, vous faites chier peut-être, je sais pas. Mais moi, non, en fait. Non. Je veux être toute seule. Je veux qu'on me foute la paix. Je veux rester sans amis dans ma chambre, seule, alone. Je veux pas coopérer. Je veux pas être dans le social. J'abuse un peu, mais non, je suis pas antisociable et tout. Mais la vérité, je veux être toute seule, tranquille. Faut me foutre la paix. Donc là, ce que je vais faire pour m'occuper un petit peu le temps qui reste, c'est que je vais travailler sur mes précédentes vidéos. Et ensuite, je vais mettre mon téléphone dans le coffre. Vu que Nams est parti, il n'a pas pris mon téléphone, je le garde. Et au moins, il sait me contacter après. Donc moi, je reviens tout à l'heure, après l'opération. Je registrerai bien mon visage, là, ma face. Parce qu'elle va changer à tout jamais. Non, mais bon, franchement, je vous explique vraiment. Ça fait bizarre, en fait, de se dire que c'est les derniers moments, genre, que je vis avec ce visage-là. Enfin, je sais pas vous expliquer. Genre, ça va être moi, enfin, voilà, mais ça... Enfin, je sais pas quoi. Ça va être moi, mais ça va être moi. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et les gens qui passent par cette case-là, le ressentent certainement. Mais voilà, plus l'opération approche, et plus vous vous dites, mais en fait, là, je vis les derniers instants avec mon visage, en fait. Genre... je sais pas vous expliquer, en fait. Voilà. Bon, là, je vais quand même si pas me connecter au Wi-Fi. Au Wi-Fi. Parce que, en fait, depuis tantôt, je suis en 4G, quoi. Non, mais ça va. On a de l'argent à jeter par la fenêtre ou quoi. Voilà, mes bébés. Donc, bon, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà. À tout à l'heure. Après plus de 3h30 d'intervention et quelques temps en salle de réveil, me revoilà tout pimpante, mes bébés. La traduction est de mise dans cette vidéo car elle parle comme une gogole. Désolée Amel, mais c'est la vérité et toi-même tu le sais. Faire vomir, c'est génial. Voilà. Bon, c'est tout liquide, hein, du coup. Je vous ai dit, liquide, liquide. Tout est liquide. Oh, mon amour! Oh, mon amour! Ouais, mon amour! Oh. Voilà, on s'en va. Ok, ça a lieu. On s'en va, Astoria? Oui. Astoria, je l'ai vu sur la valise. Ça tient bien, évidemment. Voilà, donc là, direction Kiné. Donc là, c'est ma première séance. Après l'opération, je vais après l'opération aller chez lui. Donc voilà, là on va là, et là les séances, les premières séances, donc pendant une semaine, c'est dredage. Donc là il va déjà commencer à draider. Voilà, j'espère que ça va pas faire mal. Voilà.